Salut YouTube, je suis Suzucube et je suis super content de vous retrouver pour une petite série de jeux à moins de 1€. On va commencer par Timberman Versus qui est actuellement à 19 cents. Ouais, vous avez bien entendu, 19 cents sur le store américain. Donc pour ça, il faut que vous créez un compte sur votre Nintendo Switch et que vous le mettiez en US ou que vous passiez votre compte principal en US. Mais je conseille pas trop de faire ça, je conseille de créer un compte US comme ça. Dès que tu veux avoir un nouveau... D'ailleurs, c'est mon cas, regardez, moi, si je vais sur le store, vous voyez, ça me demande... Tu vois, j'ai Suki Japan, c'est mon compte japonais, Suki US, c'est mon compte USA. Et Suzuki, c'est mon compte français, tout simplement. Et donc, pour 19 cents, qu'est-ce que ça nous propose? Déjà, il y a de la musique à donf. Voilà, enfin, je commence par baisser le son. Et on évite les échos. C'est parti. C'est un jeu très très simple. En fait, je vais prendre le prod classique. En local, vous pouvez jouer à votre personnage. On va jouer avec... je sais pas qui c'est. Et en fait, quand vous tapez à droite, ça tape à droite. Mais il faut pas faire tomber les branches sur votre tête. Quand c'est le cas, vous tapez à gauche. Et le but du jeu, c'est uniquement ça. Voilà, vous avez une barre de temps qui descend tant que vous frappez pas. Vous obligez à frapper comme un malade. Et votre but, c'est de faire le meilleur score. Voilà, si vous touchez une branche, ce qui se passe, c'est ça. Alors, mon meilleur score, c'est 294. Vous avez vu, j'ai déjà torché le jeu. Je vais pas vous mentir, c'est pas le jeu du siècle. Maintenant, c'est 19 cents. Ça va. Il y a un mode 4 joueurs. Il y a un mode en ligne, je crois aussi. Attends, on va regarder s'il y a vraiment des gens en ligne. Genre, tu fais hop, quitter. Classique. En ligne. N'importe quel joueur. Je pense qu'il y a des joueurs en ligne. Hein. Je pense vraiment qu'il y a des joueurs en ligne parce que comme le jeu est... Quand je dirais ça, il est à 19 cents. En Europe, je pense qu'il est à 1€. Bon, 1€, ça commence à faire une petite somme. Enfin, tout est relatif. 19 cents, ça passe. Sur un malentendu, tu vois, ça passe. Eh, Nintendo, j'ai payé mon abonnement. Je dis ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait des gens en ligne. Ah si, c'est parti. On est deux. J'aurais aimé qu'on soit plus, mais bon. Putain, mais Kylian, qu'est-ce que tu fais? T'es nul, Kylian. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Attends, je me concentre. Mais pourquoi Kylian arrête de taper? Le plus chaud, c'est quand tu dois faire gauche-droite. Mais attends, Kylian, il triche là, non? Mais il y a une super attaque ou un truc comme ça? Comment Kylian y fait ça? J'hallucine, il y a un rang et tout en ligne. Bah attendez, sérieusement, comment jouer?
Les proches ne peuvent pas vous tuer. Ah oui, d'accord, c'est des modes de jeu différents. Alors, il y a bien coupé à gauche, coupé à droite. Ah, il y a un bouton pour accélérer, d'accord. Je savais pas. On recommence en ligne. Kylian sera peut-être de retour. Kylian voudra peut-être jouer à nouveau. On a Drew. Alors, accélérer, ça fait quoi? Waouh! Mais en fait, c'est genre, t'appuies une fois sur accélérer, ça va plus vite. Ah, mais accélérer, c'est trop chaud. Je me sens nul, hein. En fait, ce qui est idiot, c'est que le mec qui est plus lent va être plus safe. Et du coup, voilà. Là, par exemple, j'ai juste gagné parce que je suis lent. Donc vaut mieux être... Voilà. Vaut mieux être tranquille. Limite ne pas frapper du tout. Et attendre que l'autre meure. C'est ce que je fais là. Là, je suis pas stressé du tout. Tu vois, je fais ça tranquille. Voilà. Ce qui est débile, hein, ça. Je sais pas, c'est bizarre. La vitesse n'est pas récompensée. Voilà. La vitesse n'est pas récompensée. Tu essaies juste de ne pas mourir. C'est marrant. On va vous montrer les autres modes de jeu. Du coup, t'as le mode héros. On va mettre un débutant. Dans le mode héros, en fait, t'as une fin. C'est pas comme dans le mode où j'étais, où tu peux jouer jusqu'à l'infini. Dans ce mode-là, voilà. T'as bien une fin. Je sais pas si je vais arriver à la fin. Hop. Putain, j'ai l'impression que l'arbre est descendu plus vite. Du coup. Là, il est pas facile ce mode. Merde, je voulais pas redémarrer. Le dernier mode de jeu qu'il y a, c'est le mode course. Alors, j'essaie de voir s'il y a des gens en ligne. Putain, mais il y a du monde en ligne, c'est quoi là? C'est la folie. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Quand tu joues à 4 comme ça, en fait, quand le... C'est le premier qui arrive au bout, et en fait, quand tu te prends une branche, t'es juste assommé, tu meurs pas. Contrairement aux autres modes de jeu. Par contre, ça va être un peu plus chaud pour que ça trouve 4 joueurs en même temps. Ouais, non, je vais vous montrer ça en mode local, hop. À 100 mètres, départ arrêté. Les Ebus pourraient jouer en mode local, donc du coup, quand vous êtes avec des potes à la maison. Hop.
Merde. Attends, j'ai pas compris un truc là. On peut mourir, d'accord. On peut mourir au bout de 3 fois. Je ne savais pas. Et ensuite, vous avez les personnages. Et puis, c'est à peu près tout pour le jeu. Vous avez 55 personnages différents. Voilà. Dont un lapin. Une Shantae. Vous avez plein de personnages. Voilà. Sur ce... Moi je vous laisse, comme je disais, il est à 19 cents le jeu sur le store US. Je sais pas si c'est vraiment acheté ou pas. Je me demandais qu'est-ce que t'avais pour 19 euros. Donc, c'est ce qu'on a pour 19 cents, pas euros. Tellement l'habitude. Voilà, ça, c'est ce qu'on a, tout simplement. Timberman versus. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à ciao les otaku et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye!